Bonjour, comment allez-vous? Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous livrer deux messages. Ici, derrière moi, il y a un tipi. Je sors d'un week-end guidé par deux femmes médecines des Andes, Doris et Margarita, qui sont absolument extraordinaires, des vraies chamanes. En fait, là, je suis à Puerto Montt, sur la côte pacifique du Chili. Elles vivent dans les Andes et deux fois par an, elles viennent faire un stage chez Clara, qui a sa petite maison comme ça, là, dans un champ, sur un terrain. Et là-bas, au fond, il y a des volcans, trois grands volcans. Je vous montre un petit peu les extérieurs. Donc là-bas, notre camping-car, la maison de Carla. Et ici, donc et ici en fait, on a commencé par une cérémonie de Kambo qui consiste à faire entrer dans le corps, suite à des petites brûlures avec une petite liane antiseptique, du venin de grenouille d'Amazonie. Une petite grenouille toute verte d'Amazonie. Ce qui fait que, bon, faut comprendre que la médecine ancestrale, comme ça, ces médecines de la terre, ce sont aussi des médecines qui purifient. Donc, on avait pour directive de boire beaucoup, 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 beaucoup d'eau, parce qu'en fait, ça fait sortir, ça fait sortir. Donc, on a vomi. En fait, ça crée toute une réaction évidemment dans le corps qui, le cœur qui s'accélère. On sent que on a mal à la tête, tout d'un coup une grosse, grosse, grosse chaleur et tout. Et puis après, bon, voilà, ça commence à expulser. C'est assez expéditif. Moi, je l'ai fait avec ma fille de 14 ans parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui l'utilisent aussi en système de vaccin parce que ça booste énormément le système immunitaire, ça passe par tout le système lymphatique. Et en fait, le fait de boire beaucoup d'eau pour expulser, ça permet de faire sortir la partie toxique de la potion qui fait réagir le corps. Et après, la médecine, parce que cette grenouille, elle est au bout d'une chaîne alimentaire, donc elle récupère toute l'énergie alimentaire, de l'air, de l'eau, de la forêt amazonienne. Et en fait, les chasseurs l'utilisaient pour sortir, quand ils allaient sortir, parce que ça ouvre. Alors après, tu as une espèce d'ouverture des sens. Et donc, bah, eux, ils l'utilisaient comme ça aussi pour booster leur système immunitaire, pour aller se balader dans la forêt amazonienne. Et donc après, la médecine continue le travail pendant toute la journée. Donc voilà, ça a été mon expérience. Et puis le soir, alors ça on l'a fait le matin, et le soir on a fait une cérémonie d'une plante de cactus qui a pour, je vais pas tout vous raconter, mais on dit que ça coupe la tête justement pour se concentrer, pour ouvrir le cœur. Et ça a été absolument extraordinaire. Donc on était une vingtaine là, dans ce tipi, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il allait pleuvoir. Oups, je fasse tomber la porte. On était une vingtaine là, avec un grand feu. Je sais pas si vous voyez. Ouais, un grand feu là, là. Un grand feu. Et tous, voilà, autour. Donc on était bien serrés, on avait bien chaud. Et en fait, là, on passe par des portails, c'est-à-dire qu'elles nous ont fait traverser et nous connecter à l'essence de chaque élément, évidemment l'eau, la terre, le feu, le vent, le souffle. Et ça a été un voyage extraordinaire. On a passé toute la nuit comme ça avec des chants ancestraux, parce que elles se font initier en fait par des abuelas et des abuelos, des grands-mères et des grands-pères. Donc il y a toute cette intention d'honorer nos lignées. Et puis de recevoir en fait le savoir de nos anciens. Donc elles se font enseigner depuis des années par des vieux sages qu'elles font venir chez elles. Elles reçoivent les initiations, les façons de faire, les façons de voir surtout, les façons d'être.
Elles sont pleinement imprégnées quand elles font ça, c'est magnifique et elles chantent incroyablement, donc avec les chants, les tambours, plus cette cérémonie de cette plante de cactus. Effectivement, c'est d'autres zones de notre cerveau qui s'activent et on est vraiment dans la connexion du cœur. Et quand on se retrouve dans la connexion du cœur, il y a une chose qu'on sent par-dessus tous et qui nous a tous rassemblés, c'est cette connexion à la nature, cette connexion à la Pachamama, ce lien qu'on a avec la terre. Et le matin, on a fait une offrande à la terre pour tout déposer, tous nos pleurs aussi qu'on a traversés, nos prises de conscience, nos alchimisations. On a déposé ça et puis on a fait des prières. On a fait des prières à la terre. Et la terre nous entend. La terre nous entend. Ça, c'était donc mon premier message. Vous expliquer un petit peu cette cérémonie. Et la terre nous entend. Alors, vous savez, moi, j'avais pas prévu de spécialement rencontrer ces femmes. J'avais pas prévu de. Je savais pas qu'elles faisaient ça. Je les connaissais pas. Je ne savais pas d'où ça venait. Mais j'avais ce fort désir en moi de rencontrer des femmes médecines. Hein, évidemment, pendant ce voyage d'Amérique latine, il y a toute une partie de moi qui se dédie effectivement à avancer sur ce chemin-là, à croiser mes connaissances, mes compétences avec d'autres savoirs, d'autres sagesses. Et j'avais prié, j'avais émis ce souhait tellement fort de rencontrer les personnes qui seraient bonnes pour moi. Parce que vous savez, on peut aller chercher sur Internet, puis trouver tout un tas de trucs, puis se retrouver embarqué avec un guide et tout ça. Mais je souhaitais vraiment que ça se fasse de façon organique. Alors, j'avais émis cette intention. Et en fait, toute la première partie du voyage, chose qui va revenir, mais était dédiée à la rencontre des coopératives avec les paysans, parce que donc mon homme, lui, c'est plutôt cette partie-là de son travail. Donc, on a rencontré des gens qui travaillent dans le biologique et tout ça. On a passé des moments extraordinaires. Et puis, je savais que cette partie du voyage serait dédiée plus à ce que moi je souhaite explorer et je souhaite vivre. Et en fait, j'avais émis cette prière depuis Valparaiso. Où on était là pour les fêtes de Noël. Et en l'espace de 4 jours, en fait, quand on est revenu, on avait déjà le fil, j'avais déjà le fil que j'avais trouvé à Valparaiso. En fait, c'était là, je vous raconte ça parce que la vie s'organise de façon tellement incroyable pour nous emmener là où on doit être, c'est juste incroyable. Donc moi j'étais chez ma cousine et elle vit sur un endroit où il y a une grande terrasse partagée avec différentes maisons. Donc évidemment elle est copine avec les voisins qui sont là. Donc nous aussi on a rencontré les voisins. Et puis au moment de partir, j'ai été dire au revoir à une voisine. Là il y avait sa sœur et puis on recommence à discuter de ce qu'on avait un petit peu discuté comme ça. Et nous on partait un quart d'heure après quoi. Et elle me dit, ah mais en fait c'est avec ma sœur qu'il faut que tu parles. Sa sœur qui vient de Puerto Montt. Donc elle me dit, là où on avait laissé notre camping-car quand même, c'était déjà organisé, vous voyez? Et là, sa sœur me dit, ah bah oui, mais alors tu viens, tu m'appelles, on se prend les numéros de téléphone. J'avais un jour pour la contacter. Le jour où je l'ai contactée, elle me dit, ah, tu sais, il y a une rencontre de femmes médecines d'Amérique latine jusqu'à ce soir. Puis, ok, bah super, on y va. Le temps qu'on mange, le temps qu'on. Ah, voilà, cette femme, elle est mapuche, donc on a discuté un petit peu de tout ça. Et puis, elle m'a amenée, je suis arrivée au moment où ça clôturait. Où ça clôturait. Ils étaient tout en train de fermer, il restait 2 stands, voilà. Et elles avaient fait en fait des cérémonies pendant 3 jours. Donc moi j'arrive à la fin, donc elle me dit, bah va voir l'organisatrice. Donc je parle avec Natalia. Natalia elle me dit, ah ben oui, ok, mais bon là elle était fatiguée, elle était en train d'allaiter son bébé. C'était l'organisatrice qui avait organisé ça pendant 6 mois.
Donc je lui dis, écoute, tu sais quoi, si j'ai ton numéro de téléphone, demain je t'envoie un petit message si jamais on a le temps. Et le lendemain, elle me dit, oui, en fait, je vais avec deux copines à la plage, si tu veux, tu viens. Donc bah, moi, bah ok, quoi. Et donc on va. Donc tout ça, comme s'il y avait une phase de préparation, quoi. Comme s'il y avait une phase de préparation. Et après, j'ai rencontré ces nanas sur la plage. Et en fait, il s'avère que ce sont les deux femmes médecine du week-end là, qui m'ont dit, ben nous on fait quelque chose ce week-end. Ah ben voilà, c'est possible de venir. Ah ben oui, bien sûr. Ok. Et donc ça s'est fait en 4 jours. En fait, c'était déjà fait. À partir du moment où vous êtes aligné, vous êtes sur votre chemin et vous créez des intentions, vous envoyez des prières, vous êtes entendu. La terre vous entend, le cosmos vous entend, et tout se met déjà en place alors même que vous ne le savez pas. Et vous voyez arriver le résultat. Et le résultat, c'est pas forcément le fruit de votre travail, de quelque chose de difficile. C'est le fruit de votre alignement, c'est le fruit du fait que vous êtes sur votre chemin et que vous êtes soutenu. À partir du moment où vous choisissez de dire oui à ce que la vie a prévu pour vous et à ce que votre grande moi a déjà à l'esprit, quand vous embarquez là-dedans, ça se met en place. D'accord? Donc c'est ça que je voudrais vous dire. Prenez vraiment le temps de vous centrer, de vous apaiser, de clarifier votre vision, d'aller chercher des conseils, de pas juste faire ce qu'il y a à faire et ce que vous devez faire, ce qui est imposé par le tourbillon là, par tout ce qu'on a créé, cette espèce de système de façon de voir la vie qui est complètement déconnecté du grand flux. Ok? Voyez comment vous pouvez entrer dans ce flux, vous y êtes déjà. Et si vous êtes ballotté, c'est parce que vous allez contre, parce que ça vous, paf, paf, reviens par là, reviens par là. Donc, voyez comment vous pouvez être de plus en plus en lien avec qui vous êtes. Pour vous rapprocher de votre essence, pour vous retrouver en tant que femme, parce que vous avez un pouvoir immense, immense, d'une douceur infinie en tant que femme. Et puis suivez les flèches. Les flèches de la nature, les flèches de la Pachamama, les flèches de la vie. Ok? Gros bis bis et à la prochaine. Ciao!